Bonjour YouTube, on se retrouve pour la suite de Naxxramas Heroic. Alors aujourd'hui c'est Tadius, c'est le boss du quart des dessins d'assemblage et je vais vous présenter le deck chasseur. Donc j'ai essayé d'autres decks et je trouve que c'est celui-là qui est le plus performant. Donc je vais vous expliquer un peu le principe. Donc Tadius, il a un pouvoir, c'est d'inverser la vie et la vie et l'attaque de chaque serviteur à chaque tour. Donc il le fera à chaque tour. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir gérer ces créatures-là. Et la particularité, c'est que au premier tour de son jeu, il va invoquer Stalag et Fugate directement sur son board. Ils vont pouvoir attaquer. Ça va faire mal. Par contre, dès que les deux meurent, ils invoquent pas Tadius parce qu'il est déjà en jeu. Par contre, ce qui est rigolo, c'est que si nous, l'un d'eux meurt, et qu'on a déjà tué l'équivalent chez lui, Tadius va arriver. Tadius, c'est une 11-11, donc c'est super important. Donc c'est pour ça que les deux sont ici dans le deck. Ensuite, marque de chasseur très important d'entrée de jeu. Pour régler Fugain ou Stalag, on met ses points de vie à 0 et on essaye de le régler avec. Par exemple, un piège d'explos s'il attaque. Le mieux, c'est un piège givrant. Comme ça, il y en a un des deux qui remonte dans sa main et il n'est pas prêt de le rejouer avant le tour 7 au moins. Savant fou pour aller chercher nos secrets. Compagnon animal. Lâcher les chiens, très important quand il va commencer à mettre un peu de board. Couplé avec le loup des bois par exemple. Ou avec le buzzard affamé pour piocher des cartes. Donc là vraiment très très bon. Maître chien pour mettre du taunt. Le baron va défendre si on a c'est la cerise sur le gâteau. Si on fait tuer Stalag ou Fugain en même temps. Il y a deux Tadus qui arrivent, c'est vraiment une boucherie. Tir meurtrier bah, pour se séparer une bête sur le board. Horde de tuer aussi pareil pour tuer. Compagnon animal pour attaquer. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Parti. Allez, c'est parti. On lance. Tadius. On lance. Hop, chasseur. C'est parti. Hop. Alors. L'important, c'est d'avoir une bonne main. Là, je pense qu'on va. On va tout envoyer, on veut la marque du chasseur, on veut le piège givrant. Ok, oh là, une main très très lourde, ça sent très mauvais. La marque du chasseur qui arrive, parfait. Donc ça c'est top. Ok. Donc l'inversement, comme j'ai dit. Hop, tour 2. Ah, ça c'est top. On va pouvoir faire combo marque du chasseur, donc on va plutôt le faire sur l'autre. Ouais, parce qu'il va inverser, l'autre elle va taper qu'à 4 derrière, donc ça sera intéressant. Et on va envoyer un petit tir des arcanes. Bam. Voilà. Ça c'est réglé. Ok. Une ombre. Ça c'est moche. Bah, on prend 4. Prochain tour, on prend 7. Le bizarre qui arrive. Une main très très lourde. On n'est pas très très bien du tout. Bah, on prend 10. Donc là, si on n'a pas de réponse, on est un peu mal. Marque du chasseur. Ok, mais on. Je pense que ouais, là, on est mort. 10, 12, il nous met 12. Et bah, il va inverser, elle en prend 12. Les damnés sont ouais, c'est mort. Aïe. 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 Aïe aïe aïe. On va faire ça, mais il se passera rien, mis à part mourir. Ouais, donc ça dépend beaucoup du tirage de départ. Allez, on relance.
les Tadus. Ok, la marque du chasseur, le piège explos, on va s'asséparer. On va prendre, on va garder le savant fou, je pense. Ok, on a fait gain, on a la marque. On fait rien. Ok. Aïe. Donc là, réfléchissons. Réfléchissons un peu. Je pense qu'on va trade ici pour gagner des points de vie. Et... alors c'est quoi? C'est Pitch Expo. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va toujours attaquer avec celui qui a le plus de points de vie. Donc je pense que je vais faire un petit lâche. Quoique... Est-ce que je suis capable d'attendre un tour en fait? C'est la grande question. Parce que là, il y en a un qui va mourir. Donc, si je mets sur celui-là, donc ça va devenir une 1-4. Et l'autre, ça va devenir une 4-7. Donc une 4-5. Et après, tout prochain, je vais pouvoir faire lâcher les chiens, loup des bois. Je pense que ce sera intéressant, lâcher les chiens, loup des bois. Plutôt faire ça. Okay. C'est pas mal. Il y a pas mal de choses qui vont mourir. Ok. Bah ça c'est top. Là vraiment un drop qui va bien. Lâcher les chiens, loup des bois. Et marque du chasseur. Et on clean tout. Bien sûr, le Dark Cultist en dernier. Ok, prochain tour, on pourra lâcher Fugain ou le Maître Chien en fonction de ce qui nous met en face. Il nous met rien, idéal. Petit pistage, en plus c'est top ça. On va faire d'abord Fugain. Quand je mets 7 dans la courge au prochain tour. Ok, top. Ça c'est pas mal, je peux trade. Je vais sûrement pouvoir trade. Alors, plutôt compagnie animale, je pense. Pour avoir du board. Vraiment pour. Ouais, j'ai une 1-4 en face. Ça va devenir une 4-1. Sauf si je la trade et moi je vais avoir une 1-7 sur le board, ce sera pas mal. Je pense qu'on va mettre du compagnon animal. Très cool. Et là, je pense que je vais trade Hero Power, compagnon animal. Ok. Attends, comme ça. Ouais, je me dis que s'il vient taper dans la 7-2, ça c'est parfait. Dans la 2-7, il peut pas la trade. Ça, ça va mourir. Voilà, petit trade facile. Oh, parfait. Parfait, parfait. Compagnon animal. Maître chien. Et c'est quasiment réglé. Donc, je vois pas comment on peut perdre maintenant. En plus, on a le piège givrant qui va être génial. Surtout si on met une grosse créature. Genre un crash vase. Donc là, c'est top. Ok, donc ça, ça nous fait pas mal. On s'en fout. Ça tue rien. Bah, pièce givrant. Hero Power. On va rien faire.
Zawa, il en a déjà passé une. Non, on va attendre. On va attendre. Au cas où il remet une AOE. Et que je chope, je sais pas, la 4-2 par exemple, qui a charge. Ou la 2-4, je veux dire plutôt. Ça, c'est top. On va tout mettre dans la tête. Compagnon animal. Loup des bois. Et on va voir. On va tout mettre dans la gueule. On s'en fout. Prochain tour, on aura une 6-4 sur le board en taunt. Au pire, il met son crash vase. C'est pas grave. Bon, on pourrait envoyer Fugen. Pour rigoler. Bouf. J'ai pas d'intérêt. Ce GV. Ouais, j'ai le kill. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Et puis on se voit très bientôt sur la chaîne pour un nouveau tuto Naxx et Auric. Salut!